Aujourd'hui, on va parler de l'Ikhvad Rabbi Meir Ba'alanes. Zkhuto Yagen Alenu. La Mishnah Meforsemet, la Masechet Kiddushin. Rabbi Meir Omer. Mais c'est Rabbi Meir. Tout le chasse Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Ba'alanes. Tu prends Rabbi David ? C'est Rabbi Meir Ba'alanes. C'est Rabbi Meir, Shekatou Bagmara, Mishnah. C'est Rabbi Meir Ba'alanes. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Le'olam yelamed Adam et Beno Umanut Nekia Vekala. On veut tous, nos parents, que nos enfants aient une situation, une bonne situation. On veut qu'ils aient un métier dans la vie. Hein? Tu peux aussi, que tu aies un métier dans la vie. Bon métier, qu'on ait à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que nos enfants apprennent? Qu'ils fassent des longues études, des courtes études, un petit BTS, tchic-tchac. Ou non, qu'ils apprennent expert comptable, vous savez. Je dis, Rabbi Meir, l'olam, yelamed Adam et Beno, umanut, nekia vekala. Ne te casse pas la tête. Enseigne à ton fils un métier facile et propre. Propre, ça veut dire où il n'a pas besoin de sentir pas bon comme tanneur ou poubellier ou des choses comme ça. Pourquoi il va faire un métier sale? Métier propre. Et un métier facile, simple. Pas besoin de... Veit palel et miché à Osher va nechassim shelo et qui prie à celui qui détient la richesse. Prie à Hashem Itbarach. Parce que peu importe le métier, peu importe, ça change rien. She'en umanut, she'en ba'aniyut, va'ashirut. Il n'y a pas de métier dans lequel on trouve soit la richesse, soit la pauvreté. Tous les métiers du monde, on peut être à travers ces métiers-là ou riche ou pauvre. Tous les métiers. Un médecin, il demande à Rabbi David, un médecin, il est riche, oui, il a du travail. Un médecin qui a fait médecine 9 ans en France, il fait la Aliyah, il cherche du travail, on l'a mis à la Koupat Holim, il travaille à Maccabi. Oui, tu gagnes plus que lui, Rabbi David. Ah voilà, Miskan, il a fait 9 ans d'études, il a voulu faire la Aliyah, vas-y, va cacha, on se corrette de... Ça veut rien dire. Shelo aniyut mina umanut velo ashirut mina umanut. Et la hakol levi zchuto, tout dépend du zchut. Du zchut, du mérite de l'homme. La parnassa, ça dépend du mérite. Alors la Gemara a dit Haye bane umzone, bane haye umzone, les enfants. Un homme, s'il aura des enfants ou non. Combien d'enfants il aura? Haye, la vie, combien il va vivre? Combien d'années? Maisonné, c'est la parnassa, les maisonnotes. Lav bizruta taliamilta. Ça dépend pas du zrut. Et la bemazala taliamilta. Ça dépend du mazal. Alors comment c'est écrit? Akolevi zruto. On vient de dire que ça dépend pas du zrut. C'est que j'ai tous faute. Faut que tu expliques, c'est quoi le zrut ici? Akavana, le mazal. Ça dépend du mazal. Un homme, il est né avec un mazal d'être riche, il sera riche peu importe le métier, peu importe les études. Un homme a le mazal d'être pauvre, il sera pauvre peu importe le métier, peu importe les études, ça change rien. Comme l'histoire qu'on a racontée avec la femme de Rabbi Yossi Aglili. On a raconté la semaine dernière. Lo aniut min haumanut velo ashirut el hakol lifizchuto. Après la Gemara, elle continue. Et ensuite, on a un autre avis dans la Gemara. Un autre avis. Donc Rabbi Meir nous dit, tu veux travailler, tu vas prendre un métier, pas de problème. Avant un métier, simple. Enseigne à ton fils un métier simple. Arrête de lui casser la tête avec des études dures. Tu sais pas qu'il est né avec son mazal, et peu importe ce qu'il apprend, sa parnassa sera de toute façon celle qui lui a été fixée. Ensuite, on en continue la Mishnah.
Et dans la Mishnah, il est écrit, j'ai pas les lunettes, elle faisait. Où c'est Rabbi Nehoraï? Ine. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, vous connaissez. Rabbi Nehoraï Omer, Rabbi Nehoraï, il est cholek. Il dit, Maniahani Kol Umanot Shebaolam. Moi je laisse tomber tous les métiers du monde. Aucun métier. Même pas BTS. Klou. Ve'eni melamed et beni et la Torah. J'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Talmud Torah, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Kolel. Zéro. Voilà le cursus. Shadam Ochel Mishara Ba'olam Azé, va Keren Kayem et l'eau le Olam Abba. Un homme, il mange le sachar de la Torah Ba'olam Azé. Tu vas dire, comment Torah? Quoi Torah? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être avraire. De quoi il va vivre? Ochel Tassachar chez la Torah Ba'olam Azé. Dans ce monde, il va manger le salaire de la Torah. Dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il ne laissera jamais. C'est chassidim, c'est tzadikim. Na'a ra'iti. Gam zakanti. Ve lo ra'iti tzadik ne'ezav. Ve za'om mevakesh lahem. Il dit, j'étais petit. David Amelech. Je me rappelle, regarde, il dit ça. J'ai grandi. J'ai jamais vu un tzadik abandonné. Ou même sa descendance qui demande du pain. Elama kol ayom honen ou malve ve za'om livracha. Toute la journée, ce tzaddik, c'est lui qui prête. C'est lui qui donne aux autres. Ou de l'argent s'il en a, ou de sa chokhma, de ses conseils, ça aussi c'est chanel ou malvé. Quand les gens ils ont des problèmes, même des gens riches, ils ont été voir tous leurs grands conseillers et tous leurs grands, tout ce que tu veux, et ça n'a pas marché, où ils atterrissent? Chez le chacham, chez le rav. Mais où chanel ou malvé? Il donne de sa chokhma, il donne de ses conseils. Mais à Oliv Racha, il a une descendance. Mais vos rechet. Ça, c'est la Torah. Et gam, il gagne que quoi? Sraro ba'olam azé. Va keren, kayemet lo, l'olam abba. Et gam, il va au gain Eden. Il a tout gagné. L'autre, il a travaillé ba'olam azé comme un hamor pour gagner un peu de quoi vivre ou de quoi rouler avec une voiture. Elle est rouge au lieu d'être noire ou elle est comme ça au lieu d'être comme ça. Bon, hazakobor. À ce ba'olam azé, il a eu quelques cacahuètes. À ce ba'olam abba, il n'y a rien. Il a passé toute sa vie. Enfin, celui qui étudie la Torah, Kdosha, Gam Barolam Azé, il a les perrottes. Et Gam le Keren Kaenu, qui mieux que lui. Donc on a deux avis dans la Mishnah. Rabbi Meir et Rabbi Nehoraï. C'est vrai ou pas? Il connaît la Gemara, Iruvin Yud Gimel, il connaît. Que la Gemara dans Iruvin, Yud Gimel Amoubet, elle dit que Rabbi Meir et Rabbi Nehoraï, c'est le même. C'est le même. Lo Rabbi Meir Shemo, la Gemara dit là-bas. Rabbi Meir Baalanes, notre Tana Kadosh. Que ce jour-là de Saïloula, on a ouvert la Yeshiva Torah de Tzion. Comment les Mehoubar Rabbi Meir. Il nous dit, la Gemara, qui ne s'appelle pas Rabbi Meir Baalanes. Il ne s'appelle pas Rabbi Meir. Il s'appelle Rabbi Nehoraï. C'est son nom. Son nom, c'est Rabbi Nehoraï. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Meir? Parce qu'il était Meir et Naem chez l'Israël Balach. Il éclairait les yeux de l'âme Israël. Alors on l'appelle Meir. Meir, ça éclaire. Avant son nom, c'est Nehoraï. Nehoraï en araméen, ça veut dire aussi éclair. Ça veut dire c'est la lumière. Nahor. Nahor, c'est la lumière. Alors on a traduit de l'araméen son nom en hébreu. Et on l'a appelé Meir, mais c'est un surnom Meir. Alors si c'est le même. Ah ben pourquoi il écrit une fois ça, une fois ça? Si c'est le même, en haut, Rabbi Meir nous dit, j'enseigne à mon fils un métier simple, et il faut prier que la Parnassa, puisqu'elle dépend d'Hachem, il faut prier Hachem qui est ce qu'il faut. Et d'autres
part, il dit Rabbi Meir, moi je laisse tous les métiers de côté, j'enseigne à mon fils que la Torah. Là, tu viens de dire l'inverse. Et là, la bataille, savoir que dans l'Olam Hazé, il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins dans l'Olam Hazé. Il y a plusieurs chemins dans l'Olam Hazé. Il y a le vrai chemin. Et il y a le chemin moins vrai. On va pas dire le faux, mais moins vrai. C'est quoi son vrai nom? Néoraï. C'est son vrai nom, Néoraï. C'est quoi son surnom? Meir. Rabbi Meir. Alors, d'après quel nom on va? D'après le vrai ou d'après le surnom? Qu'est-ce qui est écrit dans la Théoudat Zehout? Il y a écrit Pierrot ou il y a écrit Pierre? Écrit Pierre. Le vrai nom, c'est le vrai nom. Alors, c'est quoi son vrai nom? C'est quoi sa vraie Ashkafa à Rabbi Meir? Le Emet, c'est Raktora. Maniah ani kol umanut shebaolam. Kol les rabotes à kol. Parce que peut-être il y a des petits métiers comme ça. Rave, ils te disent, moi je fais un petit business. Une heure par jour. Une heure par jour. Un petit appel. C'est mon petit truc. Et bon, au Hachem avec ça, je vis tout le mois. Une heure par jour. Kol umanut. À kol. Ravale pour cette heure-là. Ravale. Kol umanut, tous les métiers je les laisse. Ve'eni melamed et beni el la Torah. Que Torah. Ça c'est Nehoraï. Nehoraï en araméen. L'araméen c'est le vrai derrière. Quand on veut aller au Emet, on veut passer tous les malachim autour, on parle en araméen. Directement, Hachem. Pour ça on dit le kanish en araméen. Parce qu'on veut pas que les malachim ils interceptent quoi que ce soit. On veut parler directement à Hachem, alors on utilise l'araméen pour être en direct. C'est la Gemara, elle dit. C'est pour ça que son nom, Nehoraï, c'est de l'araméen, c'est le Emet. Aval, il a un surnom qui s'appelle Meir. Parce que ce Emet-là, il est pas facile à accepter pour l'humanité. Je parle de Am Israël. Tu dis à toi, Am Israël, maintenant, à Botaï, tu vas à Paris, tu vas faire une racha, à Botaï. À la synagogue, comme ça, vendredi soir, 400 personnes. Arrêtez tous les métiers. Faites que la Torah. Et tous vos enfants, vous les sortez demain de l'école. Vous les sortez de l'université. Vous les mettez à la yeshiva chez nous. On va dire ce rabbin. Hein. C'est pas normal ce rabbin. Qui nous parle de la paracha. Qui nous dit un ridouche. Qu'est-ce qu'il nous raconte des histoires? Il est fou. Si tu dis des choses pareilles au monde entier, c'est pas quelque chose qui est facile à accepter. Ça, c'est Néoraï, c'est l'araméen. L'araméen, c'est la cachette. C'est le Emet. Aval, il s'appelait Meir, qui est Meir Enem. Il est Meir. Il dit au moins, si tu travailles, n'exagère pas. Va pas chercher un travail qui prend beaucoup de temps, qui est dur, parce que ça change rien. Ta parnassa est entre les mains d'Hachem. Ça, c'est Meir et Nehem. Ça, c'est des choses que les gens ils peuvent accepter, ils peuvent enregistrer. Ah ben, le Emet, c'est pas ça. Le Emet, c'est de laisser tout. De faire comme vous faites, vous. Et vous êtes, en vérité, les shlichim de tout Am Yisrael. Les shlichim. Im lo briti yomam valayla hukot shamayim va'aretz lo samti. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas ma Torah jour et nuit, le monde n'existe pas. Qui va tenir? Qui va faire en sorte qu'il y ait la Torah jour et nuit? Ceux qui étudient une heure par jour? Ah non, parce que 23 heures, ils font autre chose. Qui? Ceux qui étudient moins qu'une heure par jour? Ceux qui étudient pas Birnal? Qui? Qui va faire qu'il y aura Vahagita Boyaman Balayla? Si ce n'est les Bahouré, Shivot, Aïkarim. Que le monde y tient sur eux. Shrechem Bachurim et Karim, que le monde entier y tient sur vous. Nachon, c'est pas facile. Nachon, il y a des périodes dures. Nachon, il n'y a pas de masgan quand on veut. Et il n'y a pas de.
pas dire de vrai. Je ne vais pas dire ce qu'il y a posé. C'est pas joli de dire ça en cours. Apprendre, c'est pas facile. Ah ben, c'est pas la yeshiva d'il y a 50 ans. Il n'y avait même pas le masgan dans le monde. À Bnei Brak, au mois de Tammuz. Vous savez, c'est quoi Bnei Brak au mois de Tammuz sans masgan? Il y a l'Ederman là-bas. Vous connaissez l'Ederman, la synagogue? L'Ederman, allez prier là-bas un Shabbat. 300 personnes, sans masgan, on peut mourir. On marche, on peut mourir. Si on n'est pas habitué, on ne fait pas un peu d'exercice avant, on peut mourir. Tu te ris là-bas un Shabbat, tu meurs. Comment ils font? Et comme ça, c'était tout, dans le monde entier. Il n'y a pas de masgan. À l'époque aussi, il n'y avait pas. Ayoum et Kanahim be'evin. Ah, mais Vignavin. Il n'y avait rien. Prends une pierre, hein. Débrouille-toi. Il n'y avait rien. Les conditions, elles n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus agréables. Ah, ben, c'est pas cette facette-là qu'on veut, dont on veut parler. C'est de l'autre. Des Bahourim et Karim qui sont maintenant assis, Eretz HaKodesh, en train d'étudier la Torah, Yomam Valayla. Yomam Valayla. Vendredi soir, jusqu'à 1h du matin, il y avait encore Kol Torah. Shabbat, toute la journée, je Kol Torah. Ça maintient le monde entier. C'est le Emet. Et il faut savoir que c'est le derrière du Emet. Et qui c'est qui détient ce Emet? C'est vous. C'est leur Pashut. C'est pas Pashut Rabotai, c'est pas Mabekar. C'est pas Yavrer, il y a Bachou, il y a celui qui fait des études, il y a. C'est le jour et la nuit, Rabotai. C'est Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir Barlanes. C'est lui qui nous dit le vrai chemin. Maniah ani kol umanut shebarola, mais c'est ce que vous faites. Vous êtes des tamidé, Rabbi Meir Barlanes, avec le vrai Rabbi Nehorai. Vous êtes en train d'écouter sa voix. Vous êtes en train de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. La Shevet ve la Asok ve Torah. Ashrav, l'homme qui a ce mérite-là, encore un an et encore un an. S'il a le mérite toute sa vie, Ashrav, Ashrechen Kor. Gizo Ha'emet. Il faut être sa mère. Vous êtes Meirim et Tenehem, j'ai l'Israël. Tout Am Israël, il a la vie, pas que tout Am Israël, tout l'univers. L'univers entier dépend de vous. Dépend de celui qui étudie la Torah toute la journée. Nahon, c'est pas facile. Nahon, c'est Messirut Nefesh. Pour être milliardaire, c'est pas facile. Pour être Zoché, la Perot Boralam Azeve, Keren Boralam Abba, c'est pas facile. Pour avoir accès au Gan Eden, c'est pas facile. Parce que dans ce monde-là, tu peux avoir facilement accès aux endroits importants. Tu peux rentrer facilement dans une université importante, que c'est rien du tout une université. C'est rien du tout. Ils prennent 1 sur 3000, sur 4000. C'est facile de rentrer là-bas? Non. Et au Gan Eden, c'est plus facile? C'est beaucoup plus difficile. Kadosh Baruch Hu nous fait des grandes réductions. La Keren Ken, mais l'Orlan là-bas. Tout celui qui est au chef, Arsèque Batora, le Fatay Kurhelko l'Orlan là-bas. Fatay. Il faut être très 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 sa mère. Il faut être très sa mère. Kadosh Baruch Hu Natan Helkenu Batora. Très sa mère. Il faut savoir qu'on acquitte tous nos frères dans Am Israël. On les acquitte. Tous ceux qui ne peuvent pas, tous ceux qui n'ont pas le da'at pour le faire. On est leur shlichim à eux. Ils dépendent de nous, ils dépendent de vous. Si le monde, il savait combien vous valez, ils seraient tous venus comme ça. Continue, étudie, grâce à toi je mange, grâce à toi je vis. L'autre, il fait plein d'argent. C'est sur ton dos qu'il fait plein d'argent. C'est grâce à toi qu'il fait plein d'argent. C'est parce que tu étudies ici la Torah que l'autre, il a la bracha. Ah, pourquoi pas moi? Un petit peu aussi. Non. Parce que c'est par ce mérite que tu étudies la Torah dans ces conditions que le monde va l'avoir. Et Kadosh Baruch Hu, il te réserve toute la richesse, ne t'inquiète pas. Là, on n'en a pas. C'est écrit très bien, la lechène dans ce derech de Rabbi Meir Balanes, qui nous enseignait cette Torah-là, Nifla'a. La niar kol umanut shebatorah. Kol umanut, tous les sept. Étudier avant. Et ni melamed et béni et la Torah. C'est l'ilmot. S'asseoir et étudier la Torah, le heshek, le simcha, le sachar est immense. Gamba en la mazé, gamba en la mazé.
שם יזכנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.